My African lady, please forgive me when you feel I'm not honest with you. My African lady, I'll be your friend until the end. Lady, please do not forget, you are my land, you own my life. When I'm misbehaving, you know sometimes I'm just a fool. Photo de famille. Trois femmes et un homme. Trois couples, un seul mari. Trois familles, un seul père. Selon un adage africain, à sa première visite, l'hôte doit ouvrir les yeux, mais pas la bouche. Selon la structure polygame, les femmes et les enfants assument les tâches domestiques quotidiennes réparties par le père. Préparation du foufou pour le soir, des boulettes de maïs garnies de sauce au beurre de cacahuète. Les repas se composent d'aliments provenant des champs. Chacune des femmes a ses propres terres et son habitation, mais elles se partagent le même mari. Le mari, lui, travaille dans l'administration et possède un logement individuel. Aujourd'hui, la première femme et ses enfants préparent le foufou pour toute la famille. Il s'agit en fait de trois structures monogames dans chacune desquelles la mère vit avec ses enfants et dispose de son propre revenu. L'homme est le chef de la ferme. C'est lui qui établit le plan hebdomadaire des devoirs conjugaux et de la cuisine, suivant des règles très rigoureuses. La polygamie permet d'avoir une nombreuse progéniture. Plus on a d'enfants, mieux on est respecté dans le voisinage et plus on a d'influence. C'est une question de prestige. Et plus tard, les enfants sont une sécurité, une assurance vieillesse pour le mari et ses femmes. Les demi-sœurs, Ricky, 15 ans, et Bibi, 16 ans, sont très liées. Elles ont le même père, mais pas la même mère. Jadis, selon la coutume Bamoun, une ethnie du Cameroun, les jeunes filles de leur âge étaient déjà mariées. Ce sont les parents de leur père qui ont choisi sa première femme. Mais aujourd'hui, les adolescents ont une vie plus libérale, pas uniquement régie par les règles traditionnelles. Ainsi qu'on peut le constater aux lectures des jeunes filles. Des parents venus récemment de Yaoundé, la capitale, ont apporté des romans photos. Les adolescentes adorent ces histoires d'amour en images et en couleurs. Elles les dévorent dès qu'elles rentrent de l'école. De l'été, le rouge de ma terre, le blanc de l'hiver. Je promène partout la chanson de chez nous, où je vais jamais. Ma guitare et ma chanson africaine, africaine. Leur passion pour ces romans exotiques fait naître des rêves blancs dans la vieille ferme de Fumban. Nous sommes des élèves à Fumban. Quels objectifs est-ce que vous avez dans la vie? Vous voulez étudier après l'école? Après l'école, on cherche le travail. Quoi faire? Il y a des distractions qui te plaisent?
la lecture. Qu'est-ce que tu lis par exemple? Les romans. Qu'est-ce que ça te donne? Ça t'intéresse? Si. Mais on ne voit que des blancs là-dedans. Oui, parce qu'on veut apprendre la vie des blancs. C'est différent de la vie d'ici? C'est très différent. Qu'est-ce que tu en penses, Ricky? De ces romans-là? Ça donne une vraie image des blancs? Non, ce sont que des comédies. Qui te font rire? C'est que là. Mais tu rêves une vie comme ça? Oui. Africaine, mes joies, mes peines sont couleur d'ébène. Africaine, danse quand même, chante quand même, ta musique, c'est des nestes bitte, Fräulein, ich glaube, sie sind dran. Ich möchte gern ein Stück harte Wurst. Les deux jeunes filles sont fascinées par l'Europe moderne. Elles s'intéressent par exemple à l'Allemagne et suivent le cours d'allemand à l'école avec beaucoup d'attention. Fleischer. Ja. Acker. Acker. Uku. Elles portent en revanche moins d'intérêt à l'écriture de leur langue, dont l'apprentissage leur cause plus de difficultés. Ni. Lapa. Riri, Lemi, Tanda, Njam. Leur père les envoie régulièrement chez le scribe Mamoun. Il tient à ce qu'elles connaissent bien l'histoire et la culture de leur peuple. C'est un moyen, dit-il, de mieux les armer contre la magie des Blancs à laquelle succombent les plus faibles. Comme tous les gens de sa génération, il garde une certaine méfiance. Riri, Lemi. Lapa. Riri, Lemme, Tanda, Njam. C'est assez cocasse de voir ces jeunes filles travailler dans les champs en blue jean. Les enfants sont habitués aux travaux des champs. Ils secondent leur mère après l'école, durant les week-ends et les vacances pour la récolte du maïs, par exemple, ou le désherbage. Les femmes ne pourraient pas tout faire seules. Et puis, il est indispensable que les filles sachent cultiver les terres, car cette activité domestique reste l'affaire des femmes et fait vivre toute la famille. Moi, j'aimerais être journaliste ou bien hôtesse de tourisme. Ah bon, pourquoi? Pour quelle raison? Parce que ce métier me plaît. Ricky, toi aussi, tu veux apprendre un métier? Lequel? J'aimerais être détective privé ou bien infirmière. Mais ce sont des choses très différentes. De quoi? Infirmière et détective. Pourquoi tu veux faire l'un ou l'autre? Enfin, je vais faire le métier de détective parce que je suis intéressée par les mystères, les énigmes et celui de l'infirmière. Parce que j'aime aider les gens en détresse. Ta mère ne travaille pas comme détective? Oui, voilà une différence. Alors que nous, on doit s'efforcer, soit pour travailler dans un bureau comme ça. Même quand tu es dans une grande ville? Oui. Je peux faire mon repas le matin. Parce que avec ce foyer, je me sens comme si... comme près d'une amie, quelque chose. En ça, j'ai confiance et c'est plus pratique. Il faut moderne, bon, il faut apprendre, tout. C'est terrible.
Samedi, jour de marché, un lieu de rendez-vous. On échange les dernières nouvelles et les derniers potins. Les jeunes filles ne manquent pas de s'y rendre pour tester la mode bon marché, comparer les prix ou tout simplement se distraire en fin de semaine. De tous les produits d'importation, ce sont les articles de mode et les films d'action qui attirent le plus les jeunes. Les deux sœurs aiment regarder tous ces produits de consommation qui peuplent leurs rêves occidentaux. Au marché, elles font de précieuses trouvailles. Vous avez déjà l'âge pour partir au mariage? Oui. Mais tu n'es pas encore mariée? Pourquoi pas? Parce que je ne veux pas vite me marier. Pardon? Parce que je ne veux pas vite me marier. Mm-hmm. Et je n'aime pas encore trouver l'homme que j'aime. Comment devrait être le garçon qui vous plaît alors? Simplement, mais bien. Mais moi, j'aimerais un garçon qui s'habille compliqué. C'est comment compliqué? C'est-à-dire un truc qui attire l'attention des gens. C'est ça? Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'il devrait avoir de plus? Gentil et pas frivole, comme je peux dire. Ricky, toi? Gentil, comme l'a dit Bibi. Respectueux. Compréhensif, quoi, en son. Il devrait être riche aussi. Non, parce que la richesse fait monter la tête aux hommes. Enfin. Les parents considèrent l'amour comme une folie passagère. Ils sont sévères en ce qui concerne les tâches domestiques, car c'est un moyen, pensent-ils, de retenir leur fille à la ferme. Quand Ricky et Bibi rentrent tard, elles préfèrent passer directement par la fenêtre. Ricky craint son père. Elle dit que son silence fait plus mal que les coups. Je m'appelle Poto Boinke Aboubakar. Je suis né en 1913 à Njissé. Qui était votre père? Njissé. Mon père s'appelait Njissé. Il avait combien de femmes? Il en avait 50. C'est bien nombreuse. Qu'est-ce que ça signifiait pour lui? C'était... signe de dignité, parce qu'un chef devait avoir plusieurs femmes. Comme ils avaient aussi à recevoir, une seule femme ne pouvait pas se charger de tout ce travail. À l'occasion des grandes fêtes, quand on réunissait des parents, des amis, il fallait qu'il y ait autant de femmes pour pouvoir préparer à manger pour tout le monde. Et vous-même, combien de femmes est-ce que vous avez? Ben, j'en ai 3. Mais pourquoi si peu? Pourquoi plus 50 comme le papa? Maintenant, la vie n'est plus comme... notre vie n'est plus celle que menaient nos papas. Qui va alors choisir vos maris? C'est nous-mêmes. Le père sera d'accord avec ça? Comment pas? Il a dit que quand quelqu'un trouvera son mari, qu'il vient lui présenter. Bon. Pour qu'on fasse le mariage. Mais quand vous étiez jeune, selon quels critères est-ce que vous avez choisi vos femmes? Le père vous recommande, bon, mariez-vous avec la fille de tel chef ou de mon ami un tel, c'est ça? On se marie à cause de la famille. Et je dirais, je pourrais ajouter,
que je ne conseillerais pas la polygamie à mes enfants. Ah bon? Mais pour vous-même, vous avez quand même décidé d'être polygame encore. Oui. Ah, oui, j'ai décidé, mais parce que mes parents l'exigeaient. Ah ah. Donc, quand mais vous moi, étiez... je ne vois pas les choses de la même façon que mes parents, parce que la vie a changé. Donc, les enfants, pour vous, c'est toujours une sorte de richesse? Oui, une sorte de richesse. Ça fait même le prestige de la famille, parce qu'une famille sans enfants chez nous, ça, c'est une famille malheureuse. Est-ce que vous essayez d'élever vos enfants, d'éduquer les enfants dans la tradition Bamoun? Oui, ça je ne peux pas manquer. Je suis le chef de mon ménage. Elle vénère Michael Jackson, mais reste fidèle à Allah. Tous les vendredis, Ricky se rend à la mosquée des femmes pour la grande prière. Le père est intransigeant pour ce qui est de la prière, mais c'est avec réticence que les deux sœurs lui obéissent. Selon la loi islamique, par le mariage, les filles passent de l'autorité paternelle à l'autorité maritale. L'islam donne aujourd'hui plus de responsabilité aux hommes et limite la polygamie à 4 femmes seulement. Moi, je veux pas la polygamie. Mais votre, le ménage des parents, ça te donne un exemple pas mal. Si, mais mes parents sont en dehors d'eux, comme je peux dire. Moi, je peux comprendre que mes parents s'entendent entre eux, mais je peux ne pas m'entendre avec ma repousse. Mais c'est ça. Mais Ricky, je t'ai vu à la mosquée alors que tu es musulmane croyante. Tu devrais être acceptée, la polygamie? Non. Tu crains donc quel problème? Des scènes de jalousie. Est-ce que ça existe? Tu as vu ça chez d'autres, chez les voisins? Oui. Ça peut se manifester comment? Des injures. Et parfois des bangas. Est-ce que c'est même possible que le mari traite toutes les femmes de la même manière, qu'il est juste avec toutes les femmes? Je ne peux pas le savoir, puisque un polygame est un grand comédien. Il est comédien? Beaucoup, on ne sait pas. Il cache bien son jeu. Donc il joue? Pourquoi il veut la polygamie, à ton avis? Je trouve qu'ici, qu'avant même et jusqu'à présent, la polygamie, c'était un moyen de se montrer, de prouver qu'on est grand. Quel est encore l'avantage pour l'homme? Avec ses femmes, ils peuvent, à l'aide de ses femmes, grâce à ses femmes, quoi, il peut devenir riche par le travail des femmes aux plantations. Mais il faudrait peut-être changer les idées aux hommes, de leur faire laisser cette histoire de polygamie-là. Thank you.
Bibi est déjà maman depuis 2 ans. Elle a eu son enfant à l'âge de 14 ans. Autrefois, une très jeune fille enceinte aurait été battue et chassée de la ferme par ses frères. Mais elle a eu de la chance. Après la disparition du père de son enfant, ses parents ont décidé d'élever le petit. Vous voulez avoir combien d'enfants? 2. Mais c'est pas beaucoup pour la fratrie. Non. Pourquoi si peu? Pour mieux les aimer tous et pouvoir m'occuper d'eux. Bibi, tu as déjà un enfant, n'est-ce pas? Il a quel âge? 1 an, 7 mois. Donc tu étais très jeune, est-ce que tu as déjà voulu cet enfant? Non. C'est venu comme ça. Ce n'était pas ton souhait. Tu voulais pas. Disons, je ne m'attendais pas, mais j'ai voulu puisque moi j'ai conservé et ça m'a volté. Comment ton papa réagissait? Il était fâché? Si, il était fâché, il ne me parlait plus. Pour un moment. Bon, et bien après, il m'a dit que c'était passé. Mais de nos jours, pourquoi les hommes ont de moins en moins des coups-épouses, mais de plus en plus des maîtresses? Moi, je trouve que c'est parce que leurs femmes ne les comprennent pas à la maison, ou si leurs femmes sont des furies. Alors, il faut rechercher une compagnie dehors. Donc, tu crois que c'est pour discuter avec les autres femmes sur les choses que l'épouse ne comprend pas? Oui, si la femme ne satisfait pas son mari dans tous les domaines, alors il faut aller rechercher une compagnie dehors. Si j'apprenais que mon mari avait une maîtresse, je ne serais pas du tout contente. Alors, je n'aimerais pas être maîtresse. Même si je l'aime, je préfère changer de vie. Mais vous croyez que même si vous êtes monogame, est-ce que c'est même possible qu'une femme puisse garder un homme pour elle-même, pour toute la vie? Mais il peut y avoir d'autres, mais que moi je ne sache pas. Tu ne veux pas savoir? Plus ou moins, je sais déjà qu'il y en a d'autres, je ne suis pas la seule. Mais l'essentiel est que j'habite la maison avec toi seule. Si, moi je ne veux pas qu'on me respecte. Et surtout pour aller rester ou bien 21e. Ça, tu es la seule de la maison. Mais tu peux avoir les autres là dehors, mais ça ne me dit rien. My African lady, please do not forget, you are my land, you own my life. My African lady, I'll be your man. Never doubt my love. Everything I tell you is true. Sometimes I may have disappointed you, but I never meant to do that. Oh no. Vicky, il me semble que tu aimes bien t'habiller à la dernière mode. Comment tu fais ça? Où est-ce que tu as vu ça? Par les journaux. Qu'est-ce que tu vois dans les journaux? Ce qui est en vogue. Où? Dans le monde, quoi. Mais les hommes, ils pensent que c'est plus joli? Si, les hommes d'ici veulent plutôt les femmes qui sont bleues. Tu te plais comme tu es? Tu es contente avec toi? Oui. Mais j'aimerais encore grandir. Grandir? Tu te trouves trop courte? Mais tu es déjà grande, non? Non? Ça ne te dit pas. Et s'il y a l'amour, bon, là, il n'y a pas de problème. Tu y crois? Beaucoup.
Tu es sûre que tu as déjà connu ça? Mais c'est à travers les romans. Les livres, quoi. C'est là-dedans que tu as lu de l'amour. Des romans d'amour, très émouvants. Donc tu lis souvent les romans d'amour. Tu rêves toujours de l'amour, hein? Question d'habitude. Tu es habituée à ça? Mais dans la vie réelle, qu'est-ce que tu fais pour trouver un mari? Pour plaire aux hommes? Rien, j'essaie d'être naturelle. Qu'on m'accepte tel que je suis. Ricky! J'en fais pas ta renommée. Be your man until the end.